Y'a quelqu'un? Y'a quelqu'un? Répondez! Y'a personne? Oui? Monsieur le directeur? Entrez. Voici le dossier qu'il faut m'arrêter de demander. Merci, Amandine. Dites, Amandine, si je puis me permettre. Oui? Vous avez vu votre accoutrement? Votre robe est trop vieillotte. Pas adaptée à la politique de l'entreprise. Pardon? Le modernisme vous échappe, Amandine. Je retourne travailler. Amandine? Oui? Allez vous rhabiller. Me rhabiller? Oui. C'est clair, non? Et revenez dans une tenue plus adaptée, plus moderne. Car votre accoutrement ne me plaît vraiment pas. Allez, Oust! Mais, monsieur le directeur, maintenant? Oui, maintenant. Et le temps que vous passerez pour aller chez vous ne vous sera pas rémunéré. Alors faites vite. Mais, monsieur le directeur, il me faut 2 heures pour aller jusqu'à chez moi. Ça va me faire une grosse perte de mon budget. Rien à faire. Plus vous tardez, et plus vous perdrez d'argent. Mais, monsieur, j'ai des enfants. J'ai besoin de mon salaire. Vous n'êtes pas la seule. Vous préférez une semaine de mise à pied, peut-être? Non. Amandine! Amandine! Ne tardez pas trop. Vous avez des enfants. C'est vous qui l'avez dit. Ne l'oubliez pas. Vos heures seront défalquées. Allez! C'est bon d'être directeur. Oui? Tout va bien? Ça va bien. Et toi, Marc? Oui, ça va, moi. Entre. Merci. Ça n'a pas l'air d'être le cas d'Amandine. Amandine? Oh là, te tracasse pas pour elle. Elle n'écoute jamais ce qu'on lui dit. Assieds-toi, je t'en prie. Merci. Merci. Coup de perso, c'est juste une impression, mais je trouve que t'as été un peu trop dur avec elle. Trop dur? Tu te fous de moi, là? C'est moi le boss. Je dirige ma société comme j'en ai envie. Et jusqu'ici, tout va très bien. Que ce soit Amandine ou toi, je vous traite de la même manière. C'est juste une impression. Marc, est-ce que c'est clair? Ouais, très. Écoute Marc, j'ai jeté un œil sur tes ventes, et ces derniers mois, je trouve que c'est pas assez florissant. Ouais, je sais. Écoute, pourtant j'ai tourné plus de 10 heures par jour pendant 2 mois. Je suis parvenu à faire 30% de mon chiffre habituel. 30%? C'est assez pour toi, 30%? Non, non. Tu sais que Julien fait plus que toi? Tu peux pas comparer mon produit à celui de Julien. Tu sais très bien que le mien est plus compliqué à vendre.
la marque. Merci. Santé. Santé. Marc, tu sais comme moi que le métier d'agent commercial n'est pas facile. Il faut de la force de persuasion, de l'engagement. Et si les chiffres baissent, c'est la catastrophe. Et si tes résultats sont 3 fois plus bas que la normale? Regarde. Tes résultats à côté de ceux de Julien. C'est flagrant, non? Écoute, je sais, mais ne te tracasse pas, je vais me rattraper. Je suis désolé, Marc. Mais vu ton chiffre d'affaires, je ne peux pas te garder. Tes résultats sont médiocres. Tu peux pas me faire ça, je viens à peine de me marier. On se connaît depuis qu'on est gosse. Nos parents étaient liés comme les deux doigts de la main. Tu dois au moins me laisser une dernière chance. Désolé. Désolé, Marc. Tiens, c'est pour toi. Tes parents et les miens doivent se retourner dans leur tombe. Tu veux une revanche que toi seul connais, Tana. Mais à force de traiter ton entourage comme des chiens, tu finiras tout seul dans ton coin. Tu ferais bien d'aller te soigner. Ce sera tout? Pour moi, oui. Pour toi, non. Au fond, c'est toi qui es plus à plaindre que moi. Mais au fait, Amandine, ça fait plus de 4 heures qu'elle est partie. Bonjour, vous êtes bien chez Amandine. Vous pouvez laisser votre message. Alors, Amandine, vous tardez encore? Cela fait plus de 4 heures que vous êtes partie. Vous allez encore perdre des heures. Vous avez des enfants. Ne l'oubliez pas. C'est vous-même qui l'avez dit. Amandine, ça fait depuis ce matin que je vous appelle. Vous le faites exprès ou quoi? Je vous vire. Vous entendez? Je vous vire. Demain matin, je vous envoie votre C4. Quelle journée de merde. Allô, Thanos, c'est Marc. Tiens, tiens, qui voilà, mon fameux copain. C'est pas le moment de rigoler, Thanos. Amandine a eu un accident de voiture ce matin.
Elle est morte, tu le savais. Quand tu lui as demandé d'aller changer, elle a roulé tellement vite qu'elle s'est prise une voiture de face. Je t'ai dit que tu devrais aller te faire soigner. Amandine est morte à cause de toi, Tanneux. T'es un assassin. Un assassin! Monsieur Cossin, Mademoiselle Amandine, la nouvelle secrétaire est là. Bonjour, je suis Madame Cossin. Mais attendez, j'ai connu un Cossin dans le temps. Ma mère avait travaillé chez un Cossin entrepreneur à Liège. Mais c'est mon père. Alors, Amandine, vous tardez encore? Cela fait plus de 4 heures que vous êtes partie. Vous allez encore perdre des heures. Vous avez des enfants, ne l'oubliez pas. C'est vous-même qui l'avez dit. Non, mon chéri, sois pas triste. Tu vas te faire plein de petits copains à l'école. Allez, dépêche-toi, prends ton cartable, maman est en retard. Allô? Tu fais quoi? Hey, grouille-toi! Si tu n'es pas là d'ici 15 minutes, tu pourras dire adieu à ta place. Et tu auras faire les poubelles. Oui, monsieur Costin, j'y serai. Le temps de préparer mon fils pour l'école, de démarrer, et je suis là. Dépêche-toi! À partir de maintenant, tu es là sur des côtés de ton soleil. Tu as compris? Tu es en retard! Oui, on est en retard, chérie.